Oriental poison. Wassalam, alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que toi bien pour vous et que votre Mifa se porte bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo, je ne suis pas tout seul, je suis avec mon très cher ami Zantar. Salut. Bon, en tout cas aujourd'hui, on voulait vous proposer une petite vidéo life hack. Et c'est la première fois que je vous propose ça, des amis à moi m'ont conseillé de le faire, voilà. Donc je me suis dit, allez, pourquoi pas en faire un, pour voir, premier épisode, on va voir bah, ce que vous en dites, si vous kiffez le délire. Si vous kiffez le délire, n'oubliez pas, pour vous c'est gratuit, ça vous prend un millième de seconde, le petit pouce bleu. Et si vous mettez bah, plus de 20 000 pouces bleus, on vous proposera un épisode 2. Et après on fera comme d'habitude, si vous kiffez de plus en plus, et bah, on vous proposera de plus en plus yes. d'épisodes. Bon, en tout cas, aujourd'hui, on voulait vous faire une vidéo life hack, parce que comme vous le savez, aujourd'hui, un peu avec toutes ces conneries montrées sur internet, beaucoup de gens disent, c'est vrai. Beaucoup de gens disent qu'il y a beaucoup de choses qui sont fausses. Des gens disent « Ah, ça, c'est simple, mais c'est utile. » Et certains disent « Ah, mais ça, c'est simple, mais en fait, ça sert à rien, tu vois. » Et aujourd'hui, bah, on voulait vous faire quelques life hacks qu'on a trouvé assez intéressants pour voir bah, si ça marche. Parce que c'est bien beau de dire « ça marche pas » ou « c'est nul » ou « c'est faux », mais il faut essayer. Bon, donc là, Zantar, on va commencer avec la pomme de terre et la paille. Moi, j'y croyais moyen et on va voir. Bon, là, c'est ma petite pomme de terre. Là, ce sera la pomme de terre de Zantar. On va essayer tout d'abord. C'est ça, elle plante. Hein. Ouais. Et en fait, c'est quoi l'utilité? Il n'y en a pas. Ok. Eh ben moi, j'ai réussi. Et du premier coup. Mais est-ce que tu as bouché le haut? Non, j'ai pas bouché le haut comme elle. J'ai Vas-y, pas besoin. Zantar. Ah, j'ai réussi. Ouais. Ça marche aussi. Ouais, ça marche aussi. Mais je pense que même si je mets là, bah, je pense que ça marche aussi. Ça marche très bien aussi. Ce n'est pas validé. Ouais. Bon, la première, vous avez pu voir que c'était un peu faux, d'accord? Parce qu'il n'y avait pas besoin de tenir la paille ici pour l'enfoncer dans la pomme de terre. Donc c'est parti, on passe au film alimentaire, au verre et la paille. Donc là, tout simplement, on va vite le film. Un, deux, on refait. Donc là, tout simplement. T'inquiète, tu peux pas. Donc là, tout simplement, on va passer au film alimentaire avec le verre et la paille. On va mettre le film alimentaire autour du verre, mettre la paille et on va retourner voir si ça fuit ou pas. Déjà, faut réussir à mettre le film dessus. Bon, donc là, j'ai le film. Bien sûr, il va falloir faire un truc un peu... Bah, un peu... Étonche. Bien hermétique. Un peu bien, bien étiré, surtout. Voilà, mais bon, ça se relâche, de toute façon. Je sais pas pourquoi, mais ce truc-là, je lui fais pas non plus confiance. Ouais, moi, je lui fais pas confiance du tout non plus. Ne faites pas un gros trou. Attention, n'élargissez pas le trou. Hein. Ouais, c'est Zardel. Bon, à toi, Zantar. Ouais, bon, d'accord, ok, ok. Déjà, bah, regarde. Ouais, super, super. Non, mais non. J'ai essayé ma main. On va essayer, on va essayer de mettre doucement, comme ça, il n'y a pas de mauvaise foi. Vas-y, vas-y. Ouais, mais regarde, ça fait un gros trou quand même. Mais je crois, attends, je dois étirer en même temps, tu vois. Voilà, vas-y, retourne maintenant. Mais ça va fuir. Voilà. Ah, bah quand tu bois avec ta paille, ça, bah, fuit si, pas. Ça fuit. Mais non. Bah, non si, ça fuit, regarde. Là, c'est en train de descendre, regarde. Regarde, ça coule. Ah ouais. C'est de la merde. Attends, faut goûter quand même. On dévalide. Non, non, goûte pas, goûte pas. Okay, pourquoi c'est quoi que t'as mis dedans? Bah, c'est du sirop qui date d'il y a très très longtemps. Ah, ne goûte pas. Sinon, on va devoir faire un live hack et essayer de ramener les cultures. Donc là, on va prendre un fil d'iPhone, du coup, avec un marqueur. Et on va venir entourer le fil de l'iPhone autour du marqueur. Chauffer un petit peu le fil. Bon, pas trop abusé non plus, hein, d'accord? Chauffer un peu le fil, et en fait, eh ben, le fil sera un peu en mode tire-bouchon, il sera comme ça le fil. Ça vous fera un fil beaucoup plus court. Bon, on est parti. Hop là, on va laisser un peu d'espace, comme ça, ça va nous permettre de brancher notre fil. Et c'est parti. Je pense que c'est bon là. Ouais. Parce que là, il faut laisser la, la partie branchée au téléphone. Voilà, aussi. C'est bien, c'est bien. Vas-y, Zantar, tu chauffes. Zantar, vas-y, chauffe-toi ça. Je sais pas combien de temps ça dure. Hein. Oh, tu veux. Là, je me suis brûlé les doigts, donc je pense que c'est bon. Il est chaud un peu le fil ou pas? Il est chaud, ouais. Vas-y, il est très chaud même le fil. Ouais. Ne le tire pas, hein. Fais tout doucement.
Ça marche. En fait, ça marcherait plus ouais. si on aurait laissé plus longtemps. Ouais, ouais mais bon. C'est après, déjà pas mal. Je pense qu'après... Franchement, c'est pas mal du tout. Validation moyenne. Validation moyenne. Parce que bon, le but n'est, je pense pas, de faire chauffer quand même un fil d'iPhone avec un. Un sèche-cheveux pendant quand même une demi-heure. Hein même... Mais c'est quand même validé. Donc là, on va tout simplement prendre une bouteille, la couper et retourner l'emplacement du haut, mettre la viande hachée et faire des brochettes en appuyant sur la bouteille, donc ce qui va faire remonter la viande sur la brochette, pour faire des brochettes directement. Donc là, on a la viande hachée, la bouteille, il faut découper la bouteille. C'est vraiment pas facile. De préférence, vous la mettez comme ça, votre bouteille, pour la couper plus facilement. Voilà. Ensuite, vous allez charger le haut de la bouteille en viande. Ensuite, vous allez faire pression avec le haut sur le bas et mets un pic. Par contre, rentre un pic mets dedans. Un pic là. Ah, faut que ça rentre. Ouais. Non, tiens, pas du tout. Si, c'est comme ça, faut que ça appuie. T'es assez trop chargé en viande, je crois. C'est pas trop chargé. Là, il y en a des charges un peu. Leur truc, c'est absolument pas pratique. Alors, des fois, peut-être que c'est nous qui faisons pas bien les choses, alors. C'est de la merde totale. Admettons. Admettons, là, je fais de la grosse quantité, mais... Et là, tu le mets, frère. Bon, life hack modifié et amélioré. Voilà, là, on va faire une jolie miniature. Voilà, frérot. En fait... En tout cas, c'est pas validé du tout. Pourquoi tu me demandes de prendre, un ciseau, une bouteille, enfoncer ça dans la bouteille Voilà. On a vu que la femme a fait cuire un œuf en 30 secondes dans un micro-ondes. Moi, j'y crois moyennement. J'y crois pas. On va essayer de voir ce que ça donne, d'accord? Et juste petite précision. Cet épisode-là est un épisode assez court parce qu'on essaye de voir si ça vous plaît réellement. La prochaine fois, on vous en proposera 5-6 et on vous proposera des trucs autour de la bouffe, des trucs what the fuck, des trucs marrants, plus de trucs. Donc vraiment, montrez-nous que vous kiffez cette petite chose. Nous, ça nous permet de faire une vidéo en fait où on va démentir les life hacks. On va bien sûr prendre les life hacks qui ont le plus marché, ceux qui ont fait des millions de vues, pour vous montrer est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux. Il est sorti du cul de la poule. Tu sens que ça pue du cul, c'est normal. Ouais. Voilà. Tu sentais que ça pue du cul ? Oui. C'est normal, c'est le trou de balle de la poule. Ah, ok. Mais je te rassure que si t'es sur le tien, t'aurais même pas osé prendre avec les doigts. La vie serait plus grosse, je pense. C'est parti, 30 secondes. On se retrouve tout de suite après. On a bien sûr posé l'assiette sur le bol. On se retrouve dans 18 secondes. Wow. Ça a vraiment marché. Par contre, je vous explique juste, ça je pense, ça permet de contenir la chaleur, mais ça permet aussi de contenir, comme vous pouvez le voir, beaucoup d'explosions, d'accord ? Vous allez entendre boum, 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 d'accord, c'est normal, ok? Allez, dégustation. Voilà. Si votre mère, elle veut un œuf au plat, en 30 minutes, 30 secondes. Vous pouvez lui faire, non, en 30 minutes, vous pouvez lui faire en 30 secondes, voilà. Je pense qu'on a gagné quand même pas mal de temps. Oui, bismillah, allez. Oui, bismillah. Vas-y, bonne chance. Allez, goûte, moi aussi, je veux goûter. Oui. Le jaune, il n'est pas cuit. Non, mais Abdel, il aime le jaune pas cuit. J'aime le jaune pas cuit. Oui. C'est bon? Attends, je goûte encore. C'est cuit, hein. Dan, je goûte. Attends, juste pour voir. Il a kiffé. Je kiffe l'œuf comme ça, ma femme, elle le sait. Oh bah, Lia, tu sais quoi lui faire maintenant. Voilà, ça va être trop facile à faire. T'as vu? C'est comme un œuf, hein. Un vrai œuf, hein.
Et il n'est pas grillé comme quand il est grillé à la poêle, t'as vu? Ouais. Des fois, la poêle, il y a des petits bouts durs sur les côtés, bah là, il est parfait. Moi, j'aime bien. Moi, je les kiffe les bouts durs, mais... Je préfère à la poêle, mais c'est pas mauvais comme ça. Franchement, c'est pas dégueulasse du tout. Franchement, quand tu veux aller rapidement... Oh, bah oui. Quand le midi entre deux, midi et deux, t'as pas le temps. Life hack validé. Si vous avez un micro-ondes au taf, et bah ramenez juste un œuf, un bol et une assiette. Voilà, ça suffit largement pour faire plein. Bon, en tout cas, on espère que vous avez kiffé. Dans cette vidéo-là, vous aurez appris comment réduire la taille de votre fil d'iPhone de quelques centimètres. Bon, c'était un petit peu faussé pour celui-là. Mais surtout, le plus important, c'est que vous avez appris comment chauffer un œuf en 30 secondes. Ça, c'est important, c'est quand même cool pour ceux qui taffent, comme il a dit, très tard. En une minute, vous pouvez faire chauffer deux œufs, tu vois. C'est quand même pas mal. Ouais. Hein, c'est quand même pas mal. Bon, t'as un truc à rajouter peut-être? Non, bah s'il kiffe, bah on en fera plus la prochaine fois et de plus en plus fou. Quoi. Voilà, de plus en plus fou. Donc on compte sur vous, un maximum de likes la famille. On compte sur vous, vraiment, pétez-moi la barre. Montrez-moi que vous avez kiffé le délire. A très très bientôt pour un épisode 2. Ciao. Putain, t'es vraiment un bâtard. Gaming.